Salut à tous. Morning. Ok. On se retrouve pour continuer Red Dead Redemption 2. Lors du live de ce matin, on a fait un live de 3 heures, mais on n'a pas énormément fait de choses. Il y a eu Miss O'Shea qu'on a retrouvée et qui a avoué que c'était elle qui nous avait balancé pour le braquage de la banque. Et donc elle a été tuée par Miss Grimshaw pour le pacte. Et on a libéré John, et c'est à peu près tout ce qu'on a fait en mission principale. Après, on s'occupait de Penelope Braithwaite et de Beau Gray, qui ont pu partir ensemble. Miss Downs, on lui a donné de l'argent pour qu'elle puisse partir avec son fils. Et comme vous pouvez le voir, à la fin du live, j'avais pas réussi à avoir mon chapeau de raccoon, de raton laveur. J'ai réussi à l'avoir cette fois. Alors, en off, je m'en suis occupé. Du coup, j'étais à Valentine. À Valentine, j'ai vu... J'ai attendu qu'un PNJ pop, le PNJ avec ce chapeau. Et en l'attendant, j'ai vu deux PNJ qui observaient à travers une fenêtre. Je les ai dégagés parce que c'était des voyeurs. Et après, je pouvais regarder à travers la fenêtre. Bon, ça me faisait perdre de la réputation. En fait, j'ai vu un couple où... Ils étaient pas dans leur état normal, quoi. Ils pouvaient rien faire, de toute façon. Vu leur état. Après, je suis allé... J'ai fait plusieurs allers-retours dans le saloon. Oh oh! Non! Punaise, en plus il a mis les armes, je suis dégoûté. Punaise, bah je suis mort là. Attends, il est blessé. C'est bon. Mon cheval qui m'a lâchement abandonné. Ah, il est là mon chapeau. Regardez comme il est beau. On dirait trop un animal. Bon, de base, c'est le cas. Et du coup, comme je disais, j'avais fait des allers-retours au saloon en attendant que le PNJ pop. Et du coup, il a pop, donc j'ai attendu qu'il finisse. Parce qu'en fait, il devait se plaindre jusqu'à ce qu'il commence à me taper. Et d'ailleurs, sur le guide que j'avais lu, il devait me taper. Et vu que je me défendais, normalement les autorités n'auraient pas dû être contre moi. Et bah pourtant, dès que je l'ai mis KO, les autorités elles étaient à ma recherche. Hein. Ce qui est complètement illogique. Je veux dire, tu te fais taper, tu vas pas te laisser faire. Hein. Surtout à l'époque. Mais bon, bref. Et donc je l'ai tapé, j'ai récupéré son chapeau. Et là, je suis allé dans mon camp pour sauvegarder ma tenue. Je l'ai aussi modifié un peu. Pour que ça aille un peu avec mon chapeau et puis... Ma veste, je l'avais achetée, mais j'avais pas vu que c'était vert, en fait. Ou peut-être que c'était une autre tenue, je sais pas. Et en revenant à Heinsberg, je suis tombé sur le PNJ qu'on a libéré ce matin. Il s'était bloqué la jambe dans son propre piège à loup. Et du coup, je suis tombé sur lui et il m'a dit d'aller chercher une arme chez l'armurier en son nom, gratuitement, et du coup, c'est ce que je vais faire, alors. Oh, hébergement, tiens. I hear there was a big shootout with the Murphy gang in the caves at Beaver Hollow. C'était moi, mon pote. Now, let's have a look. Bah, visiblement, c'est pas gratuit. Est-ce que ce serait est-ce que je suis parti d'Ainsburg avant? Ou est-ce que c'était chez un autre PNJ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas gratuit, là. Après, j'ai pas d'armes qui m'intéressent, c'est vrai, mais bon. Regardez. C'est pas hyper beau, mais c'est vraiment... Ça reste cool, quand même. D'avoir ça. Attends, je vais aller voir s'il y a l'autre PNJ, là. Non, il est plus là. Il était assis juste là. Il m'avait dit de mettre en son nom, mais vu que je suis parti, je pense que c'est mort. Bon, on va aller voir Maika. Quelque part par là, caché, non?
Pas du tout. À l'intérieur des... Oh bah il est juste là. Oh. Was you followed? I said no. Okay. What is your problem? What is your problem, partner? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And I inside you ain't. I'm just a realist, friend. Micah reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint-Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk. And they know who we are, and where we are, and what we're doing. Way I see it. Best thing we can do is let the wheat go. Move on, get our money, and start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen. And fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here. And ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't. We need money. But revenge? Now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur, it's just a simple social call. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai une nouvelle... Bon, ma coupe de cheveux, on voit pas trop, mais j'ai une nouvelle barbe. À deux pointes, là. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais... Je m'en suis fait de nouvelles. The reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, it's his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil, his law. These are wrongs that you can't right, Dutch. We're wanted men. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur, and I want out, and he won't let us go. This ain't making a lot of sense, Dutch. It will. Ouais, je pense. It will. Je trouve non plus. Some noise, and then we're gone. Bon, j'arrive plus à parler français, mais je trouve que ça fait pas de sens non plus. Sinon, comme je disais, il y a un barbier en fait dans le saloon de Valentine, du coup, en attendant le PNJ pour le chapeau. J'en ai profité pour me faire un nouveau style. Arthur, get behind something before you're spotted. Avec mon chapeau pas du tout discret. Mr. Milton, we are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency and still nothing. This Vanderlyn robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Can't, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderlyn. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have... Mais il est jusque là. Juste là. Si tu le savais. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement. And I intend to make it a success, no matter what the cost. It's the wages. Folk feel Folk that you... feel? Business doesn't give
two figs about feelings, sir, not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob, and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing! You sure? Good. I prefer it this way. You lost your man! Noise on ouais. Noise! Il est devenu fou, effectivement. Il a même pas essayé de négocier. Hein. Il a fait sa proposition, ils ont dit non. Mais bien sûr qu'ils allaient venir, les Pinkerton. J'y arriverai jamais avec ce nom. Bien sûr, ils étaient là il y a 2 minutes. Attends, il a mis KO mon... Les gars, vous touchez pas mon chapeau, il est où? Vendez mon chapeau, moi. Mais par contre, qu'il y ait autant de Pinkerton ici, alors qu'on n'était pas prévu, c'est bizarre. Hein. Tiens, passe-toi. Ouais, je t'avais pas vu, toi. Exécuté. Quoi là-haut? Effectivement. Mais je suis trop mal placé. Oh Micah, viens. Micah, je lui fais de plus en plus confiance perso. Faut que je récupère ma vie, moi. Oh! Bah ouais, j'ai trop foncé dans le tas. J'ai trop foncé dans le tas. Je le sais très bien, en plus. Hein. Débarrasse d'eux. Là, je m'en suis mieux sorti. Ouais, je m'en sors bien mieux.
Mince, il avait pas visé celui que je regardais. Quoi, mais c'était headshot ça. Totalement du côté de Dutch habituellement, mais là c'est vrai que quoi, là je suis pas bien, ils vont prendre beaucoup d'avance. Ouais, voilà, il est mort, j'ai pris trop de retard alors. Mais comme je disais, je suis habituellement, depuis le début du jeu, je suis derrière Dutch, mais là, c'est vrai que attaquer Cornwall comme ça, c'était pas la meilleure des idées, je trouve. Hein. Mais j'ai du mal, hein. J'essaye trop les headshots alors que je crois que ça one shot automatiquement sur cheval. Ouais, regarde. Ça sert à rien de viser la tête là. We all okay? Interesting social call. Oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew sooner or later. Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time. It looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annisburg mines to San Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Mike, you look into this dynamite. Take Bill, I guess. Arthur, you go too. We are gonna need a lot of it. And Mike, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Black Lung. Let's split up. We'll meet up back at camp. Yeah. This is crazy.
Il veut discuter du plan pour s'évader avec Maïka. Et pas avec nous. Oh, Charlotte. Ça montre qu'il y a... Voilà, ça sent mauvais, faut le dire. C'est Pearson? Ah non, c'est les révérends Swanson. Je me demande si Maïka lui a pas bourré le mou. Et peut-être que... Quoi, mais... Non mais c'est sérieux ça, c'est n'importe quoi. Je l'ai même pas vu. Même pas examiner l'autre cheval. Et donc comme je disais, j'ai peur que Maïka ait bourré de mou à Dutch. Et que du coup Dutch finisse par abandonner sa famille et à se dire on peut pas amener tout le monde. Et il voudra en abandonner certains. En tout cas là... Le tournant, demander à Maïka de discuter du plan pour s'évader, pour partir. Avant, il aurait demandé ça à Arthur, à Osea. Bon, Osea est décédé, mais à John peut-être. Mais certainement pas à Maïka. Ça sent mauvais. Biche de Virginie encore. Ils en ont qu'un seul type de biche. Hein. Bon, si on est en Virginie, certes. C'est logique, mais bon. Quoi? Oh, la pauvre. Ah, il y a un point d'interrogation ici. Juste avant de récupérer la dette. Bon, le cheval, ce serait bien de se bouger, là. Que je peux longer la rivière ou pas? J'ai fait une grosse bêtise en quittant le chemin. Non, j'ai l'impression que je peux longer. Oui. Can you help me, mister? What's the problem? My goddamn horse got spooked and run off. You hurt? Not too bad, at least. But he took my damn leg. Sorry. He went that way, I think. His name's Buell. Buell? Second time a prick named Buell cost me a leg. Huh? Buell was my general when I lost it. Okay. Anyway, if you see an angry bastard of a horse with my wooden leg, I'd be real grateful. I'll bear that in mind. Ok, ça va. C'est dans les environs, ça m'éloigne pas trop. Espérons que je dois pas y aller discrètement, hein, parce que sinon... je suis pas bien. Oh bah, c'est sûrement lui là-bas. Il a l'air beau, hein. J'ai vu quelque chose là. Wapiti femelle des montagnes rocheuses. Étudier. Apaiser. Hollandais à sang chaud. Vas-y, casse-toi. Settle down, boy.
Bon, ouais. This way. Come on. Now come on, Dan. Let's get you back. Pas mal la jambe qui pend. He's just where you left him. Can't go far with that leg in your stirrup. Can't go bucking him like that. You better be good, you hear? I get the notion he's not a man you want to cross. No matter how big and strong you are. Par contre, c'est très lent. Hein. Attends, fais pas avec la taxe. Ne sois pas jaloux. Je ne te remplacerai pas par lui. La petite musique d'ambiance qu'on pourrait retrouver dans The Witcher, je trouve. Là, je spam X, mais non, ça veut décidément pas aller plus vite. Allez. On y est, là. Petite cinématique. You're a good man, mister. Mister... Arthur. You're right. He's a brute. Hamish Sinclair. Yeah, he's a great horse, aside from when the devil's got him. Hey, you wanna hand me that leg there, please? And while you're at it, give old Buell a kick for me, would you? No, I'm only kidding. Thank you. Warren but a snake that spooked him. You're a real gentleman, you know? Sometimes, maybe. Yeah, how'd you lose a leg? Oh, in the war. Cannonball. Pretty clean, though. I don't have much pain, and I didn't get any gangrene. A young boy went into battle with me, got cut in half, so all things considered, I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, how is the false one? It's okay. I can still hunt, fish, enjoy the outside. Weren't sent too crazy by it. Anyway, I ain't got much to pay you with. You know... That's okay. You like fishing? You come with me someday. I know some pretty good spots. I'm a pretty poor fisherman. Yeah, well, I'm great. So between the two of us, we do okay. My cabin is right over on the other side of O'Cray's Run there. Thanks again. You throw me again, you old dumb bastard. I'm gonna put a bullet in you. I'll see you again. Tiens, je pense que c'est lui qui va nous donner les plus gros appâts pour attraper les poissons légendaires, je pense. Et salut The Beard, comment ça va? Moi ça va très bien, je te remercie. Ce matin, j'ai libéré John. J'ai libéré John, on a appris que c'était Miss O'Shea qui nous a balancé pour la banque. Et du coup elle a été tuée par Miss Grimshaw. Là on va devoir récupérer une dette, ça va faire mal. Hein. Toujours un peu triste, ça. J. John Weathers. They call me Snow Goose now. Whatever they call you. You borrowed money off of Leopold Strauss. The bills come due. This ain't the best time, sir. This ain't the best time for anyone. Mr. Strauss knew it was a long-term proposition. The debt is due. Okay. I got... supplies meant to last through the winter. You can take them, just... Is there any way you can help me? I stay out here, there won't be anyone to pay you. I ain't here to help. I'm here to collect. We're all of us up against it. Look,
There's men after me. They're killers. I ain't a deserter, just an objector. It ain't right. If there was another way than running, I need your help. Shut up. Please. I... Up here, it's him. It's too late. Form up, we shoot on sight. I clear off, sir. Shit. Well, seeing as I'm here, I'll do what I can. Non mais Arthur, il a aucune logique, hein. Ma carabine, je sais pas pourquoi maintenant elle est toujours équipée, automatiquement. Enfin, en tout cas, au moins durant l'émission. Oh, 4 headshots d'affilée là. Ah. Si, un cinquième d'affilée. Quoique, pas sûr. Still save something. Really now? Look, you can take the silver locket for the debt. Damn the debt. Just get her somewhere safe. Go on. Thank you, fella. You know, there ain't enough kindness in this world, that's for sure. But you. À celle qui conduit le cheval? Il y a des trucs que je comprends pas avec Arthur. Là, il y a un mec qui est sur le point de se faire attaquer par plusieurs personnes. Il veut pas l'aider, mais le photographe, il le trouvait en mode random, en train de se mettre en danger contre des animaux sauvages. Pas de problème. Donc, j'aurais peut-être dû me renseigner sur la dette. Dans la mission pour les trophées, peut-être qu'il fallait pas l'annuler, la dette, je sais pas. J'en pense quoi du fait qu'elle l'ait tué? Ben moi je l'aurais pas fait. Après ils ont parlé d'impact. Donc suppose qu'une personne qui... Ben, si tu balances quelqu'un, tu dois en subir les conséquences. Hein. Je pense que c'est ça, le pacte. Mais bon. C'est... Voilà, j'ai trouvé ça surtout devant tout le monde, quoi. Dans le camp, devant tout le monde. Il veut pas se bouger mon cheval. En plus ça se voyait que... Non mais il... Ah mais il y a le feu je pense. C'est pour ça qu'il veut pas venir. Je sais plus ce que je disais. Est-ce que je parlais de Mistoché ou pas? Je sais plus. Oui c'est ça, elle était folle. C'est vrai, elle était folle. Je l'avais... De toute façon en plus je l'avais dit. Hein. Hier je l'avais dit. Quand on nous a dit que ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas vu Miss O'Shea, je me suis dit peut-être que c'est elle qui nous a balancé. Parce qu'on l'avait entendu, elle avait l'impression que c'était nous qui avions dit à Dutch de s'éloigner d'elle. C'est vrai, elle était devenue complètement folle, je sais pas s'il fallait la tuer en plus. Dutch, je l'ai dit plusieurs fois depuis le début. Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début que Dutch, il était quand même très désagréable avec elle. Hein. Il venait le voir, lui parler, il la repoussait direct. Ouais, des deux côtés, c'était pas tendre. Hein. Et donc, ils avaient parlé d'une balance. J'avais pensé au départ à Micah. Il y avait Dutch qui pensait à John. Et Annabelle. Non, c'est pas Annabelle. Attends, je vais essayer. Je crois que ça commence par AR. Abigail, non, Abigail. Voilà, Abigail. Donc pas du tout AR. Il y a Dutch qui pensait à John et Abigail. Ensuite, Micah, je me suis dit, il nous aurait pas suivi jusqu'à Guarma, quoi. Il serait allé vers les autorités, il aurait dit, c'est moi qui les ai balance. Et du coup, il serait pas parti jusqu'à Guarma, donc... Je savais pas s'il y avait vraiment une balance et...
hier quand il y a, je crois que c'est Pearson qui a dit on n'a pas vu Miss O'Shea depuis plusieurs depuis quelques temps. Je me suis dit, ça m'a fait tilt dans ma tête, je me suis dit c'est elle quoi. Je pense que c'est elle. Et je sais pas si t'as fait attention, mais regarde mon chapeau. Mon chapeau de raton laveur, il est pas trop cool. Il faut que je fasse attention. Hein. Je l'ai récupéré en off. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai traîné un peu à Valentine. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'en off, j'ai reçu une lettre du maire. Récent. Il faut que je la trouve. Document. Lettre du bureau du maire. Ouais, voilà. Car du coup, vu que j'ai pas tué l'adjoint, je l'ai laissé vivre, je pense que l'adjoint il la balance le mieux. Ah mince, il y avait un prédateur, je savais pas. C'est pour ça qu'il bougeait mon cheval. Du coup, il a dû balancer le mieux, et ses combines, il a dû être envoyé. Et donc j'avais une lettre de remerciement. Et il me disait qu'il me donnait quelque chose pour me remercier, mais je sais pas ce qu'il m'a donné. Hein. C'était pas de l'argent en tout cas. Donc j'ai pas vu. J'ai pas fait attention. Mais... je tournais à droite, mon cheval il va à gauche. C'est normal que je me prenne des arbres. Oh oh. J'ai entendu des petits bruits, j'espère que c'est pas... Ah non, c'est bon. Elle s'entraîne à tirer. Oh, hey there. How you feeling, ma'am? Much better than I felt in a long time. If we hadn't caught that rabbit, I don't think I'd have made it another day. Well, you look better. Better and determined, thanks to you. And if I'm gonna learn to hunt, I figured it was time I learned how to use Cal's gun properly. Well, how's that working out for you? Well, let's just say my prey is looking decidedly unscathed. But the end of labor is to gain leisure. Is that not what Aristotle said? Well, I don't know much about Aristotle, but I know a thing or two about shooting a gun. Look, you gotta hold steady and firm. Hmm? You just focus. J'ai l'impression qu'il y a une petite romance qui se fait entre les deux là. Always pull the trigger on empty lungs. Here, I'll show you. Okay. Calm and steady. Don't see. Il faut que je tire là-dedans. You make it look so easy. Quand tu parles d'activité, The Beard, tu parles des missions secondaires ou d'autres choses? Nul. Would you look at that? I haven't hit one that close all day. Ah bah peut-être pas si nul alors. Focus on the inhale. Shoot on the exhale. My turn. I'll shoot a few more this time. Tirez sur trois bouteilles. Mince. Oh no, that wretched rat is back. Over there, you see? It's been a thorn on my side ever since we moved here. Kill it, please. Alors là, mon pote. Il est parti. Ah, mais il est parti. Moi, je pensais qu'il allait revenir. Oh non, mais je savais pas. Moi, je pensais qu'il allait revenir. Je suis dégoûté. Je sais pas gérer, là.
Oh! Bien joué. Would you join me for a meal? It's the least I can do. Non, bah une activité, je sais pas. Je vois pas de quoi tu parles, donc je pense que effectivement, je l'ai pas encore fait. Well, it's good and hot. I hope you enjoy it. You helped me to catch it after all. Bon appétit. Please enjoy. And thank you again for everything. I really am grateful. It was nothing. You're a good man. Oh, you don't really know me. I know enough. There's always more to find in ourselves. You helped me to see that. My husband, Cal, was such an optimist. I found that to be very contagious. But there's a fine line between optimism and naivete. And we were both born with a silver spoon. Banquets, butlers, valets. Sounds terrible. It was just so many people, so many things. I was lost in it. I was crushed by it. My father was very overbearing. Then we came out here and I got crushed by this. You know, I pictured myself picking fresh vegetables, sipping homemade wine, writing a great novel. But I turned out to be a far more oh, je vais tomber dans les pommes, non? Heroine than any I could ever pen. Oh, well. I reckon you're gonna be just fine. Are you all right? Can I get you some water? No, I'm fine. I just, thank you for this. I think it's best if I make. Stay right there. It's gonna be okay. Et notre maladie avance lors de quêtes secondaires. C'est intéressant, ça. Même si ça se trouve, ça aura qu'un impact sur la quête principale, c'est quand même sympa. Il est passé où mon chapeau là? Ils m'ont donné un vieux chapeau pourri. My dear Arthur, I have gone out hunting. Not a phrase I thought any pen of mine would ever ink, but nonetheless one I am very proud to finally be able to write. I am so very grateful to you for all the help and encouragement you've given me. There is some money in a box on the nightstand. Please take it. I have far more than I need back in the city, and I'd like you to have it. Please take care, and remain true to the man I know you are. Ce vieux chapeau, là! Vas-y, je le récupère, même si moi aussi je suis riche, hein. On va pas se mentir, hein. $100, entrée par effraction. Récupérer le butin de 4 pro... What? Entrer par effraction, récupérer le butin de 4 propriétés différentes. Quoi? Non mais qu'on soit clair, depuis le début du jeu, j'ai fait 2 cambriolages. Hein. Il y en a 7 en tout, j'en ai fait 2. Et il y en a 2 que j'ai manqué et que je peux plus faire. À moins que... Du coup, je me demande si la maison du... Il y avait Strauss qui nous avait mis tout au sud. J'étais même retourné il y a quelques lives de ça. À la maison ici. Il y a Strauss qui nous avait envoyé.
où il y avait un père et son gamin, et j'avais tué le père, puis j'y suis retourné après, et le gamin il m'a attaqué, donc je l'ai tué. Ça se trouve, en fait, quand je suis allé récupérer la dette, j'avais déjà cambriolé la maison. Ça comptait comme un cambriolage. Et ça voudrait dire que j'ai tué le gamin pour rien, déjà. Et donc là, ça compte comme un cambriolage, ce qui vient de se passer. C'est bizarre, quand même. Déjà, rends-moi mon chapeau, toi. Oh là là, chapeau classique en raton laveur. Même la miniature, elle est classe. Le chapeau, je l'ai récupéré sur un PNJ à Valentine. Si tu veux savoir, The Beard. Hip-hop. Alors, j'ai regardé une vidéo sur Internet. J'ai vu que la vidéo, elle se déroulait le jour. Mais sur Internet, j'ai vu qu'il popait que entre, je crois, 20h et 6h du match, je crois. Et moi, je l'ai vu la nuit. J'ai passé quelques nuits là-bas, vu qu'il popait pas. Puis à un moment, il a popé. Normalement, il se plaint. Il se plaint que l'Amérique, c'est devenu n'importe quoi. Que les hommes, maintenant, on peut même plus les appeler des hommes. On peut même pas les appeler des femmes. Et au bout d'un moment, il en aura marre que tu le regardes. Il va commencer à te taper. Et du coup, en le mettant KO, tu récupères son chapeau. Et avant de faire une autre mission, je suis direct allé dans mon camp pour sauvegarder ma tenue et être sûr d'avoir ce chapeau tout le temps sur moi. Quelque chose me dit que je vais pas pouvoir monter, dommage. Bon, je vais suivre la minimap, hein, écoute. Malheureusement. Mais ouais, je m'y attendais pas à ce trophée. Du coup, il me manque qu'un seul trophée manquable. T'avais pas eu quoi? Le chapeau? Ou le trophée? Il me manque plus qu'un trophée manquable, c'est de faire toutes les missions secondaires de réputation. Bon, je sais que ça s'appelle pas la réputation, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas la notoriété non plus. Ah, le chapeau, de toute façon, pour l'avoir, faut aller au saloon au bon moment. Et rester planté devant le PNJ, donc c'est compliqué. Ou alors tu peux aller au saloon, voir le PNJ avec le chapeau qui t'intéresse et l'attaquer direct. Hein. Mais bon, si c'est toi qui l'attaque, j'ai vu une vidéo, il y avait le... où c'était toi qui l'attaquais. Voilà, l'honneur, c'était ça. J'ai vu une vidéo où c'est toi qui l'attaquais. Et ben, il y a tout le monde dans le saloon qui t'attaque, donc... Vaut mieux attendre qu'il t'attaque, parce qu'après il n'y a que lui du coup. Donc c'est de la légitime défense. Mais bon, après que tu le mettes KO, t'es recherché. Ce qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, complètement bête. Mais ouais, d'ailleurs tout à l'heure j'ai eu le trophée d'avoir l'honneur au max. Et du coup, j'ai fait toutes les missions d'honneur du chapitre 2, 3 et 4. Et il y en a une dans le chapitre 6. Tiens. Hopper, il est dans la ville, justement. Il y en a plusieurs dans le chapitre 6. J'en ai déjà fait quelques-unes. Par exemple, les deux avec Madame Downs, je les ai faites. Là, les deux avec Strauss, je vais les faire. Il y a celle avec Beau Gray et Penelope Braithwaite que j'ai fait. Il serait dans la mine, tu penses? You got any business at the mine? I'm looking for an Arthur Londonderry. I was told he works here. Londonderry? Oh, you'll want to speak to the foreman. He's down in the pit. Attends. On me laisse rentrer après ce que j'ai fait? J'avais menacé tout le monde l'autre fois pour sauver le gamin. I'm sorry, feller, but you're too late. Arthur's dead. The man's dead. What's wrong with you? Oh, boy. You can't exactly beat it out of him now, can you?
You might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry. You ain't gonna be the only one a-knockin'. You ought to be ashamed of yourself. Hey, I ain't the godforsaken moneylender. Mais d'ailleurs, c'est vrai, ça. On n'a soi-disant pas d'argent, mais on en prête aux gens. Alors certes, avec intérêt. Mais bon, ça reste stupide, quoi. Si j'ai 5 dollars, je vais pas les donner. Si j'ai que 5 dollars, hein, si j'ai rien d'autre, je vais pas les donner en espérant que dans 3 mois, j'en reçoive 6, quoi. Je vais faire quoi sans ces 5 dollars? Quoi? Mais comment ça? Mais... Mais je voulais m'excuser en plus. J'ai appuyé sur L2 pour m'excuser. Il commence à me viser. Je suis passé par un endroit... J'ai pas fait exprès. J'aime trop comme il dit... À chaque fois que je fonce dans quelqu'un sans faire exprès, il dit c'était pour rigoler, on peut plus s'amuser. Mais... Elle est où sa veuve? Quoi? Mais elle est tout là-bas! Moi je pensais qu'elle était dans la ville, mince. Ouais, en plus mon cheval il est tout là-haut. Non, le temps qu'il descende, laisse tomber. Du coup, il y a le révérend qui veut me voir dans le camp. Je sais pas du tout pourquoi. Hein. J'ai aucune idée. Pêche, il est trop classe ce chapeau. Bon, tu te dépêches, mon cheval. Pendant plusieurs épisodes, au début, j'étais en extase devant... mon cheval. Non, je vais être en extase devant mon chapeau, donc. Ah, d'ailleurs, il y a cette peau de cougar que je devrais vendre. J'ai oublié. Il y a aussi ma tenue que j'aimerais bien changer pour qu'elle aille bien avec mon chapeau de raccoon. Si je pouvais nommer mon chapeau, je le nommerais Sly. Les oiseaux, est-ce que je peux les regarder? Tu m'as parlé du ciel, mais moi je vais examiner les oiseaux. Mais ouais, mais regarde en plus les reflets là, dans l'eau. Oh là là! Là, c'est totalement moi, j'ai foncé dedans. Hein. J'espérais que justement cette fois là. J'ai dit le pilotage automatique, mais c'est pas vraiment ça. Le chevauchage automatique ferait son boulot et qui se pousserait. Mais ce n'a pas été le cas. La pauvre veuve. Elle a perdu son mari, on va lui récupérer de l'argent. Quoi. On va lui récupérer ce qui lui reste. Oh, il y a un gamin en plus. Be brave, sweet angel. Be brave. Fine. Mrs. Londonderry. Arthur's dead. I know. I'm sorry for it. It's just... We lent Arthur some money, you see, and... So it was you. You son of a bitch. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies, what little there is? You want me to lie down for you? No, no, Arthur gave everything to pay your bills. Everything. And now there's some fellas coming to take the house.
There ain't nothing left, mister. I just wanted to say the debt's canceled and to take this. It won't bring your husband back, I know. You need money and I don't. Why? Well, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like, not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am. Punaise, mais je me mouille pas quand je donne de l'argent. Hein. J'avais en tout cas plus de 4000. Et je donne vraiment très peu. Pourquoi mon cheval est tout là-bas? $55. Bon, pour eux c'est beaucoup, mais pour moi c'est plus rien. Par contre, vraiment la maladie d'Arthur, ça lui a tout changé quoi. Parce qu'avant on allait récupérer les dettes, on était sans pitié. On a tué le mari de Madame Downs pour récupérer la dette. Et là, l'autre, on annule sa dette. Elle, en plus, on avait même... Enfin, l'autre, on pouvait récupérer la dette ou l'annuler. J'ai préféré l'annuler. Elle, on n'avait même pas le choix. C'était annuler la dette ou annuler et donner de l'argent. Donc là, la maladie d'Arthur, ça l'a vraiment... ça l'a dévasté, quoi. Enfin, ça l'a dévasté, je pense surtout qu'il remet en question ses choix de vie. Quoi? Je voulais le saluer et il dit pousse-toi dedans. Il remet en question ses choix de vie. Il essaye de devenir meilleur avant de partir. Parce que bon, la tuberculose à cette époque, malheureusement, il y a de grandes chances qu'il parte, hein, surtout avec les... Nous, on n'est pas des gens riches, quoi, donc on peut pas prodiguer les soins nécessaires pour que je m'en sorte. Strauss. Tiens, je vais pouvoir faire la mission du révérend en même temps, du coup. Good morning, Arthur. Hi, Javier. En fait, The Beard, pourquoi je vous laisse chapeau? C'était par rapport au... Alors je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un mec qui avait un animal. C'était pas un raton laveur, c'était un opossum. Et du coup, quand son opossum est mort, il l'avait dépecé, il en avait fait un chapeau pour l'avoir toujours sur lui. Et hier, du coup, c'était sur le live, t'avais peut-être vu que j'avais fouillé un catalogue, j'avais feuilleté un catalogue et j'avais vu qu'il y était. Du coup, je me suis dit, je vais aller récupérer une peau d'opossum. Pour me le faire, sauf que j'ai cherché sur internet, j'avais pas l'impression qu'on pouvait se le faire, mais on pouvait récupérer celui de raton laveur, donc je me suis dit, voilà, c'est deux animaux qui se ressemblent, donc je les récupère. Ah, how did you get on, Mr. Morgan? Just Danny. Just get up. What? Get up. What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you. Though I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they was. Now here, take that. Take that and get lost. I'm leaving. Yeah.
Ouais, bon. Bon, $50. C'est violent quand même. C'est violent, mais. C'est vrai que voilà, quand tu t'amuses avec les gens. Il faut s'attendre à ça, quoi. Reverend, you okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself somehow. I've always felt. I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York. We are gonna go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion? One score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch, this is Eagle Flies. His father is a great chief. Charles and I, we... pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn. How do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people, we've suffered too much, been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. You men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Yeah, Arthur, we must go with them. Try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. We can get the more horses. I know. I understand Eagle Flies is angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch whipping them up into a frenzy. We got enough folks coming after us without adding an army to the list. You going to let these bastards walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. Ça y est, Dutch, il a sombré dans la violence. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this could be canoes. Killing anyone. Of course. What will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Des personnes d'un autre peuple, d'une autre communauté qui sont envoyées dans des maisons de redressement. Un classique, ça. Qui se fait encore en 2021, malheureusement. Ouais. Au début du jeu, c'était vrai. Maintenant. Now, sure, but what's this got to do with any of that?
Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government is... Ouais, on a tué Cornwall au début du live. Je pense pas que t'étais arrivé, The Beard. Shady Bell, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the army, it was all in those papers Micah found. I have a plan. You just have to trust me. Donc on s'est débarrassé des Gray, des Braithwaite, de Cornwall. Il y a O'Driscoll's, Colm O'Driscoll's, qui va se faire pendre. D'ailleurs, il y a Sadie qui... On aura une mission avec Sadie dans quelques temps, je pense. Vu qu'elle voulait s'assurer qu'il se fasse bien pendre. Il reste que la Pinkerton, du coup. Enfin, la Pinkerton est peut-être l'armée, du coup. Je voulais même pas venir à la base, et c'est moi qui pagaie. C'est moi qui fais l'effort physique alors que je voulais pas venir à la base. En plus, je suis tout seul, hein. Sur le bateau d'en face, ils sont deux à pagayer, moi je suis tout seul. Bah, fais-le toi-même alors. Pourquoi tu me dis ça à moi? Tu devrais dire ça à Dutch. Là, il y en a deux d'affilée. Mais ils ne se regardent pas en face. Ça se trouve, ils sont même pas au même étage. Oh oh. Ouais, j'ai pas l'impression qu'ils soient au même étage. Qu'est-ce qui se passe? Mince. J'ai mis un peu trop de temps. Quoi? Ok, je voulais le faire sans tuer. Attends, il est où mon... Je récupère mon chapeau avant. Ah, je peux pas. Si, c'est bon. J'ai pété un câble. Bon. Elle est où l'encre? R2. Mais... Ah mince, du coup je vais pas pouvoir récupérer mon chapeau, c'est ça? Dommage. Oh, j'ai vu mon chapeau, il a bougé. Il est toujours là. Du coup, l'attention, ils font attention aux détails, hein. Une explosion, des objets ils bougent sans forcément disparaître.
it's you! You boys all right back there? Yeah, I think so. But there's a huge hole in the boat. Horses are spooked, and we're taking on water. Come on, get him out of here! Les pauvres chevaux. J'espère que c'est pas... C'est pas trop profond. Les horses sont confuses. Nous devons les rounder. Je vais les prendre ces quatre, Arthur. Peux-tu aller avec les autres? Ok. Venez les chevaux. Non mais ils ont pas l'air d'avoir pied hein. Ça s'est nagé les chevaux, je savais pas. Hein. Quoique j'ai l'impression qu'ils marchent quand même. Hein. Mais ça m'étonne que si loin de la berge, les chevaux aient encore pied. Hein. Oh, il a plus beaucoup d'énergie le pauvre. C'est quoi, je vais lui donner un truc à manger. Même si c'est pour mon cheval à moi, il mérite quand même de se nourrir. Quoi ? Ah mince ! C'est moi qui l'ai utilisé. J'ai utilisé pour mon perso et pas le... Non. Je vais devenir fou, moi. Non, il... On dirait que je peux pas le nourrir, vu que c'est pas mon cheval. Oh, il est là-bas avec la taxe. Vite, mon chapeau. Oh, j'ai épuisé, par contre. Oh, seems like Uncle Sam likes you fellas even less than he likes us. Come here. So it goes. My father doesn't want to fight again. Well, he is a wise man, but you know, I think that I agree with you. There's only so much treachery and betrayal that a man can take. To himself. No. Oh là là, bien évidemment, c'est moi. Ah, c'est bon. I like you, son. And after the horses, are we going to wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea, and it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh là là, il est chiant, hein, Dutch. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out of Fort Wallace, and when Combs dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, gentlemen. Your father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Vas-y. Sure. I'll speak with him. You head on back to camp. Check on the others. Dutch's behavior. Mais bon, Dutch, il lui monte la tête à plus battante. Hein. Attends. Non, plus battante, c'est le père, je crois. Donc Dutch, il monte la tête à Eagle Fly. À Aigle qui vole. Ah, bref, il monte la tête à quelqu'un, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mission? Il y a Micah, là. On va faire quoi avec Micah? Où est le chariot d'explosifs du convoi de l'armée? Pour rejoindre Saint-Denis. Est-ce que j'ai des missions à Saint-Denis? Oh, j'ai Sadie. Oh, je vais aller faire ça. Oh, le révérend ? Ah non, plus battante.
Rain. Bah tente, je sais pas comment ils l'ont dit. Comment ils l'ont fait en anglais. Allez, on va aller voir Sadie. Ça m'occupe de Cornwall. Je veux bien. Cette musique d'ambiance, j'aime bien. En plus, là, on va retourner à Saint-Denis, ça me fait plaisir. J'aime bien cette zone. Il y a des spectacles qu'on n'a pas vus encore en plus. J'ai vu sur la carte tout à l'heure qu'il y avait des nouveaux spectacles. Avec mon chapeau et ma veste, ça fait bien Jimmy Crockett ça. C'est le même chapeau que dans Little Nightmares au final, enfin le même, entre guillemets. Dans Little Nightmares, il y en a un comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Hey, need a doctor. All right, fam, all right. You're gonna be okay. Est-ce que ça sent le piège ou quoi? Ah, il faut que je l'amène à un docteur en fait. Non, il va me faire tomber ma peau, je crois. Non, c'est bon. Cette peau, là, faudrait que je m'en débarrasse. Hein. Non, les ronds tricolores, j'ai déjà examiné. Et j'ai jamais tué. Ah oui. Faut surtout pas s'endormir dans ce genre de situation. Parce que tu pourrais ne jamais te réveiller. Saint-Denis Bayou. Tape-le. Franchement, hésite pas à lui en mettre une. Non mais il est hyper loin le médecin là. Arrêtez au bout d'un moment. En plus dans cette ville on peut pas aller à fond. Monsieur. Oh là là, mais tu veux pas aller plus vite? Tu vois pas qu'il est en train de mourir? En plus, il y a mon chapeau qui passe à travers son bras, donc. T'imagines comme il doit encore plus souffrir. Bah ouais, c'est moi. Anyway, there's no time for that now. What happened? Just saw you fall out of the saddle. Don't worry, you're at the doctor. Thanks, friend. I appreciate it. Sure. There's also the matter of my payment. But we'll deal with that later. All right. All right. A lot of blood loss. This wound's badly infected. I'll save as much as I can, but I'll have to amputate. What? What did you say? Just try to breathe. I'll give you something for the pain. No. There you are. That'll knock him out for a while. You did a good thing bringing him here. And in your condition. But I'd suggest... you go rest now. This won't be pleasant. Sorry it's come to this. Oh! Oh!
Oh! Oh, je peux partir! J'ai pas envie de voir ça. Bon, moi je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve demain matin. Je pense qu'avant d'aller au travail, je vais lancer un petit live de 45 minutes, 1 heure dessus. Peut-être le temps de faire la mission de Sadie, juste. Alors, je vais vous envoyer chez Jaja qui est sur Trials of Mana. Il a à fond sur ce jeu aussi. Ah oui, aïe. Au départ, je me suis dit, est-ce qu'on peut voir ça? Puis ensuite, quand j'ai vu qu'on pouvait, je suis vite parti. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine.